aux environs du viaduc de deux opérateurs de Marseille. Viastel, ça a offert de terribles possibilités et de très belles opportunités. Vraiment de très très belles opportunités. On est en 2008, me concernant, je réalise mon premier documentaire et j'ai la chance de pouvoir le faire diffuser sur la chaîne. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir les fenêtres, les portes et d'être présent dans un lieu, Viastel, qui nous permette de faire des focus sur des personnalités qu'on ne connaît pas trop du grand public. C'était le cas avec Parole de Jeunes, mon premier documentaire, où je suivais les itinéraires de quatre jeunes Corses un peu partout en Méditerranée, parce que c'est ça, je crois, la clé de voûte de Viastel, la Méditerranée, l'insularité, la Corse. Tout cela nous permet vraiment de belles opportunités. Quand on crée une émission, quand on essaie de conceptualiser une émission de ce genre-là, l'idée vraiment, c'est de faire preuve d'exigence. D'exigence éditoriale, c'est très important, mais également de mettre en place une certaine forme de bonne humeur. Parce qu'on a souvent tendance à croire que la culture, ça peut paraître élitiste, ça ne l'est pas. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce qu'on a essayé de faire en 2011. Et aujourd'hui, avec Pendant le 20h, qui est à 20h10, autre horaire très difficile face à une concurrence féroce, des JT notamment, c'est de proposer, de continuer à proposer un focus sur des personnalités, de susciter le débat, de questionner la société corse en mouvement. C'est tout cela la ligne éditoriale de notre émission. Et encore une fois, France 3 Corse Viastel permet tout cela, permet de libérer la parole, permet de libérer presque les énergies. L'ADN de cette chaîne de plein exercice, c'est important de le dire, hein. C'est une vingtaine d'heures de programme, France 3 Corse Viastel. Il n'y a pas d'équivalent en région, vraiment pas d'équivalent. C'est une chaîne de plein exercice, c'est une chaîne à part entière. Encore une fois, je reviens sur ce terme, c'est la spécificité qu'offre le service public, c'est important. Nous sommes une chaîne de service public, nous sommes le service public. Nous devons interroger la société, j'y reviens. Nous devons susciter des questionnements autour de la Corse, de l'insularité, de la Méditerranée. C'est tout cela, France 3 Corse Viastel. Et je ne peux pas imaginer qu'on ne va pas continuer dans ce schéma-là. Je ne peux pas imaginer que cette chaîne ne va pas continuer à évoluer ainsi.